Journal américain New York Times a publié un article côté deux anciens agents DIA qui t'a travaillé en Haïti dans la question bataille contre drogue, expliquer, témoigner par journal là comment ils ont été obligés démissionner, quitter agence fédérale là à cause ingérence, obstacle qui t'a gagné dans une enquête pour un bateau drogue qui t'a débarqué en Haïti en 2015 et que c'est Dimitri Erard en personne qui t'est venu avec plusieurs sécurités garde présidentiel dans le palais national à l'époque que Michel Martelly était président pour te venir ramasser drogue là pour te aller alors que bureau lutte contre trafic de drogue avec DIA était en route pour venir récupérer drogue ça. Article New York Times, l'hypothétique, responsable sécurité et président assassiné pays d'Haïti et pourtant l'été suspect dans une enquête pour question drogue. Corruption atteint un tel haut niveau en Haïti et ça que quitte Mac Nichols, ancien agent DIA qui était en poste en Haïti et qui était dirigé enquête sur Kakizo Droxa, qui était disparu là. La justice en Haïti, son bagage, il n'est pas qu'à expliquer. Affaire ça, il implique non seulement Dimitri Erard, il implique des juges, mais beau-frère ancien président Michel Martelly. De qui dossier, journal américain, New York Times a parlé. Gagné un bateau cargo qui sorti Panama, qui est le MV Manzanares qui était accosté dans un port maritime privé dans la capitale haïtienne en avril 2015. Responsable a déclaré que débardeur, il n'est qu'à débarquer bateau, il était commencé à décharger et les ça normalement c'est ton cargaison sac sucre jusqu'à ce que il y a un sac déchiré et puis marchandise là, yo rendu compte c'est pas et sucre, c'est drogue qui était dans un sac. Même côté il y a un gros goumé qui pété entre débardeur yo nek kap débaki et bateau yo qui était capable voler quantité au capable nan drogue ça nek était tombé sous l'ia. Selon ça responsable yo dit garde sécurité yo yo était tiré en l'air pour te camper pillage là. Eh bien gagné coup de fil qui devait joindre monsieur Mac Nichols qui était nandié à l'époque en Haïti et avec la police antinarcotique qui s'est bureau lutte contre trafic et stupéfiants qui c'était BLTS. T'es un véritable chaos dans port ça dans le moment. Mais avant que DIA avec BLTS rive, il y a deux jeeps qui précipitaient dans port là. Il y a des nègres qui étaient avec uniforme et sécurité palais national. T'es un autre policier qui débarquait dans machine qui botait drogue là, prend sac, mettait dans machine cocaïne avec héroïne et puis aller avec machine yo à toute vitesse selon sa témoin te raconté d'hier avec BLTS. Dimitri Erard, membre force sécurité présidentielle à l'époque sous Michel Martelly, il était crié by Lord à un pile nan gad qui était là yo selon sa yon témoin que New York Times est interrogé et que Mac Nichols lui-même qui devait arriver 2 heures plus tard et pour devenir une enquête là a confirmé. Témoin yo dit non seulement yo parlé de agissement Dimitri Erard nan pour là mais aussi la plupart de cargaison jusqu'à 800 kg cocaïne avec 300 kg héroïne yo té allé avec yo. Yo ancien responsable des Nations Unies confirmé que Dimitri Erard et yo té repéré nan pour là jou ça et que té une accusation que té déployé membre sécurité palais national garde présidentiel pour té transporter drogue là sorti nan bateau aller dans machine et puis prend et craser avec lui. Au total, environ 120 kg cocaïne avec héroïne t'est finalement récupéré par et DIA avec BLTS 28 jours après et bagala t'est passé. Et d'ailleurs, DIA pas voulu faire commentaire dans l'article ça sur fiasco ça qui est arrivé dans port ça dans pays d'Haïti. Aucun n'a principal suspect yo pas jamais arrêté. Affaire finalement abouti à un plainte en dénonciateur agent DIA qui t'a travaillé encore fait pour te dénoncer mauvais traitement yo te pression que t'es victime dans moment bagaille ça. Il y a plusieurs témoins qui accusaient Dimitri Erard qui t'a travaillé avec Charles Saint-Rémy qui c'est beau-frère ancien président Martelly. Témoin t'es dit que Dimitri Erard était dans trafic ça avec Charles Saint-Rémy, beau frère Michel Martelly, frère Sofia Martelly, famille propriétaire terminale là pardon qui c'est la famille Meuse, même famille Accra qui t'a commandé bateau et sucre là mais en fait qui c'est au bateau drogue selon plusieurs hauts responsables américains actuels et également qui t'a travaillé sur affaire. Dimitri Erard
comme il est en prison à cause dossier Jovenel Moïse actuellement, monsieur pas de café commentaire. Avocat refusé de transmettre question au client là. Yon porte-parole police nationale haïtienne là et nié que la police était impliquée dans le trafic de drogue ça. C'est ça. Saint-Rémy lui-même les journal américain mandé le réagir. Le juge contexte dit non. Léo te mandel, est-ce qu'elle t'a déjà participé dans le trafic de drogue? Yon membre de la famille Accra refuse de commenter. Et bon côté par famille Meuse, monsieur Meuse, ligné et tout acte répréhensible qui vient avec Dimitri Erard, lui ajouté que l'été qu'on est Saint-Rémy et comme nous connaissons tout simplement, mais pas aucun rapport et avec yon à l'Europe de la Nafé de drogue. Avocat monsieur Meuse, Joël Echam, lui déclaré que d'y compter sous haïtiens qui pauvres, qui prêts pour mentir, capable et participer à nos enquêtes et bénéficier avantage. En fait, ça qui, ce qui ça Dimitri Erard, t'es fait avec cargaison illicite ça, et que t'es prenant pour ajout ça, et article a dit que ce bail qui est incertain. Mais, travail protection, Michel Martelly, président à l'époque, Saint-Rémy, qui t'a travaillé avec Dimitri Erard dans tout ça, c'est bon frère Martelly, et que, il s'était un point central, enquête là. Mais monsieur Martelly refusé à l'époque les DCPJ t'ai invité Dimitri Erard pour te venir répondre une question selon le responsable des Nations Unies sur question de ça Martelly t'ai campé en quoi t'ai dit non ça pas fait Dimitri Erard pas pas répondre question DCPJ sur affaire de ça Mac Nichols avec Greco et deux anciens agents dits en Haïti ont déclaré que obstacle avec blocage, hostilité qui ont rencontré en dans même agence d'IEA, tu finalement fait quitter l'agence là. Est-ce que vous entendez? Blocage, obstruction que agent d'IEA ont joué en dans même agence d'IEA qui travaille pour l'IA, pour te quitter, casser fait, couvrir dossier ça, qui te rapport avec bateau de drogue, qui te débarqué dans le port, Meuse, bateau de drogue que Younaf Mounakra a commandé et que Dimitri Erard t'a débarqué pour te aller après te finir découvrir lui, eh bien, à cause pression, que deux agents d'IA sont à poursuivre en agence là, ils ont fini par démissionner et quitter l'agence là. Ils ont même déposé plainte avec aide Yungu qui est le Government Accountability Project qui représentait dénonciateur. Ils ont même, mois passé, un bureau spécial dans les États-Unis, un organe qui dans le gouvernement qui est en charge pour protéger les travailleurs fédéraux contre ingérence politique, ils ont réprimandé DEA pour les traitements et dans l'affaire bateau et Manzanaresa et le fait que pas fait rien pour résoudre le problème au contraire ont été employés qui travaillent pour eux sous gros pression. J'ai vécu l'enfer en disant la vérité et en essayant de faire ce qu'il fallait. C'est ça que Mac Nichols déclaré dans fin article ça que journal américain New York Times mettait de yo. Nous tendez toute bagaille. Résumé rapide. Bateau de drogue débarque en Haïti, non pour Meuse, sous nom, il n'y a qu'à te commander bateau sud, alors que c'est drogue qui te la donne, pendant qu'il embarqué et débarqué bateau, chaque chiré, bataille pété, quelques temps après, avant d'y aller avec BLTS privé, c'est Dimitri Erard qui débarque avec un pile policier et net cap by sécurité dans le palais national, vite débarque drogue là pour t'y aller. Il t'a travaillé ensemble avec, selon enquête là, avec frère, Sophia Martelly, qui c'est beau frère Michel Martelly, Saint-Rémy. Et puis, Michel Martelly était opposé à l'époque, il était toujours président, camp en croix, pour dire, pour DCPJ, pas tendre, Dimitri Erard. Ok? Tout homme dit, PHTK, son organisation bandit, toute qualité, pas oublié. Chaque fois dit, arrêtons, monde d'or en Haïti, n'a toujours, c'était un proche Michel Martelly, malé.